au niveau de notre satisfaction personnelle, parce qu'on a réussi une belle saison et on a envie de la clôturer en beauté. Donc on n'a pas envie de se prendre la tête avec revanche, pas revanche. C'est vraiment une autre confrontation qu'on a envie de remporter après les deux matchs. Ça va être compliqué encore une fois parce que le Raja pense exactement la même chose, mais à nous de faire en sorte de sortir vainqueur des deux confrontations. Et ça va aller, et il faut se préparer à jouer ce match dès la première minute ici jusqu'à la dernière minute, voire les pénalties à Kinshasa. Donc il faut qu'on soit bien mentalement, physiquement, athlétiquement, techniquement, qu'on essaie d'être un petit peu meilleur que le Raja. On sait que c'est une équipe qui est très difficile, elle n'est pas là par hasard. On a vu un match aller ici où le Raja s'est procuré beaucoup, beaucoup d'occasions. On aurait pu partir avec un score un petit peu plus lourd. Et puis, on a réussi à prendre des points ici et puis à glaner d'autres points aussi chez nous, dans les conditions qui nous étaient plus favorables, avec la chaleur et un terrain plus dur. Donc, si c'est en boxe, on va dire c'est du 50-50. Parce que là, le Raja va jouer dans toutes ces conditions et nous aussi, on jouera avec nos conditions. Peut-être un avantage au Raja puisqu'on va jouer tard le soir, donc il fera moins chaud. Donc voilà, on va dire que le Raja est favori alors.